spéciale dédicace au ministère de la Santé. En Côte d'Ivoire, le salut aux couleurs est un devoir prescrit à toute institution par l'État. Cela pour inculquer aux citoyens le civisme, l'amour de la patrie. À Boaké, chaque premier lundi du mois est confié à une institution pour l'organisation de cette cérémonie. Ce 1er avril 2019 est le premier lundi du mois d'avril. L'antenne de l'INFAS de Boaké organise à son tour la traditionnelle cérémonie de salut aux couleurs. Notre équipe y est donc invitée. Merci, cher monsieur, de l'honneur de votre présence à cette distinguée cérémonie. Ok, licence 3, ça est comme infirmier, vous êtes pas 4. Non, c'est pas la... Bon, de toute façon, Elisa est là, c'est peut-être ce qu'on fait. Ok, les enseignants, de l'une façon, en train de faire aussi. J'oubliais, il vient aussi de faire son entrée ici, monsieur... Monsieur le coordonnateur des études, Monsieur Ngora Fakou, prénommé Victor, il vient aussi de faire son entrée. Il est avec nous et pointé au centre de ce théâtre. Monsieur Sérieux, je vais commencer tout à l'heure. Le déroulé de ce programme est fait comme suit. Tout à l'heure, il y aura le salut. L'arrivée des distingués invités, parmi lesquels nous annonçons M. Kwame, directeur régional de la protection sociale, M. Jean Aka, directeur de l'Institut de prévention sociale, caisse générale de la retraite, des retraites et de l'agence de la santé, M. Kwadio Aoudou, directeur culturel, de M. Sika, directeur régional des transports, et M. Kwasi Bagné, M. le secrétaire général de la préfecture. Le capitaine de justice est parmi nous. Sûrement, il va être la République. Préfet de la région du Bekè. Une formation de qualité pour des soins de qualité. Une formation de qualité pour des soins de qualité. West Coast on the track. Tel est l'engagement de Madame le professeur Ndaz Miliane Nyepuy-Sanogo, directrice générale de l'INFAS, pour offrir à la population des agents de santé compétents. Agents de santé, nouveau comme un nouveau-né. Sans bobo, agent de santé nouveau.
agent de santé, nouveau, nouveau comme un nouveau-né. Sans bobo, agent de santé, nouveau. Agent de santé. Aujourd'hui je suis dans le milieu. J'ai compris que l'homme ne peut que soigner, mais la guérison relève de Dieu. Il faut des soins de qualité pour pouvoir donner la santé. Monsieur le préfet de la région du Gueké, préfet du département de Boaké, mesdames et messieurs les membres du corps préfectoral, les officiers sous-officiers du rang, mesdames et messieurs les chefs de directeurs et chefs de service, chers étudiants, mesdames et messieurs à vos rangs grades et qualités, je voudrais avant tout propos m'acquitter d'un devoir. Celui de vous présenter les excuses de Madame la directrice générale de l'INFAS, qui aurait bien voulu être parmi nous, mais malheureusement en mission hors du pays. Elle me charge de vous traduire toute son infinie reconnaissance
Vous l'avez fait à l'IFAS en général et à l'antenne de Kwaki en particulier pour cette cérémonie mensuelle d'hommage au drapeau national. Soyez tous en remercier. Monsieur le préfet, l'INFAS qui vous accueille a ouvert ses portes en 1988. 26 promotions y sont déjà sorties. Pour la présente année académique, les effectifs sont les suivants. Licence 1, 445 étudiants. Licence 2, 294 étudiants. Licence 3, 288. Soit au total 1027 étudiants. Je rappelle que la capacité théorique de l'école est de 240 étudiants lorsque l'école atteint sa vitesse de croisière, monsieur le préfet. Donc aujourd'hui, les effectifs ont été multipliés par 4. Vu les besoins de l'État en matière de santé, en matière d'agents de santé, d'infirmiers, de sages-femmes et techniciens de laboratoire. Ces 1027 étudiants sont encadrés par 14 enseignants permanents. Ils sont tous habillés en orange, blanc et vert, derrière vous. 40 enseignants vacataires, les médecins et autres, qui viennent nous appuyer dans ce cas. Et par 100 encadreurs cliniciens, parce qu'il y a les stages pratiques, s'ils sont encadrés par les infirmiers et les sages-femmes sur les différents terrains. Et par 10 personnels administratifs et contractuels. Monsieur le préfet de région, comme vous le constatez, nous sommes dans une enceinte extrêmement réduite parce que l'école est en pleine réhabilitation. Grâce au CDD, l'école en pleine réhabilitation, je dis, les travaux ont commencé le 25 janvier 2019 et s'achèveront le 30 mars 2020, soit 14 mois. C'est le lieu pour moi, mes collaborateurs et moi, de rendre un vivant hommage au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. À terme, ce sont les conditions de travail qui seront améliorées tant pour le corps enseignant que pour les étudiants. Monsieur le préfet de région, à l'IFA, nous avons bien compris le message du gouvernement. C'est ainsi que sur l'instruction de Madame la directrice, les chefs d'antenne et les sous-directeurs sont tenus d'organiser les premiers et les 15 de chaque mois cette cérémonie de salut aux couleurs pour enseigner le civisme à nos étudiants. Et ces enseignements sont faits par exemple par des spécialistes dans le domaine du fond. Le dernier enseignement en date que nous avons reçu portait sur le portrait du chef de l'État. Chacun de nous a bien pris note pourquoi il est important et nécessaire de disposer du portrait du chef de l'État dans son bureau, là où il se trouve. Monsieur le préfet de région, je ne saurais terminer mes propos sans faire une doléance. Voyez-vous, la voie principale qui mène à l'aéroport, n'attendons pas que le pire se produise. Tous les jours que Dieu fait, nous avons approché le directeur régional du transport, ensemble avec la mairie, nous sommes en train d'étudier ce dossier. Avec les services de nos motocyclistes, de tous les taxis et motos, tous les jours, il ne se passe pas des accidents, des accrochages ici. Et le grave incident qu'on a évité, j'avais dit qu'on allait éviter, c'est lors de l'arrivée de Madame la Présidente pour la Journée internationale de la femme. Malgré les consignes données par M. le préfet de police, c'est lors devant l'IFAS, le cortège est arrivé, que les taximètres et les motocyclistes sont venus barrer là. Donc les étudiants de l'IFAS n'ont pas accepté ça. Parce qu'ils disaient qu'ils avaient fait la S pendant 2 heures de temps. Au dernier moment, les individus sont venus à la limite semer le cafouillage devant notre institution. C'est le lieu pour moi de le dire, monsieur le préfet de région, les étudiants de ça, de vous dire trop c'est trop devant leur administration. Je vous remercie. Après le mot du chef d'antenne, nous avons, en temps, au moment où tout se préparait, nous avons enregistré la présence du préfet de région, préfet de la région du Paquet, et de M. Pony, le secrétaire général de préfecture. Mais ici, M. le préfet est là pour nous appuyer, pour prendre acte de notre cérémonie, de la réussite de notre cérémonie. Mais c'est M. le secrétaire général qui va prendre la parole pour donner le message.
au nom de Monsieur le préfet de région, préfet du département de Poitiers, ici présent, saluer la présence de tous ceux qui sont venus ce matin, à ces temps très frais où d'autres ont choisi de dormir, venir saluer les couleurs nationales. Je voudrais saluer ce contact de styliste. Mes propos vont se résumer à des informations, puis à des remerciements. Vous avez dû constater ce matin que certaines personnes, certaines autorités militaires avec qui nous saluons les couleurs, les premiers lundis du mois ne sont pas là. Il s'agit du colonel-major du commandant de la 3e région militaire, M. Ongoran Noël. Il n'est pas là ce matin parce qu'il a été muté à Abidjan au cabinet du ministre de l'État, ministre de la Défense. Vous constaterez aussi l'absence de son adjoint, le colonel Douan Michel. Il a été muté à la 2e région militaire de Daloa comme commandant de cette région. Vous constaterez également l'absence du colonel Été de la 3e Légion de Gendarmerie territoriale. Il a été également muté. Le colonel-major Ongoran Noël a été remplacé à la tête de la 3e Région militaire par le colonel Ouattara Zoumana, que vous aurez le temps de connaître. Il y a eu aussi un changement. Au 3e bataillon d'infanterie, où a été nommé le colonel Fofana Losseni. Au niveau de la gendarmerie, je le disais tantôt, il y a eu aussi des mouvements. Au niveau de la 3e Légion territoriale, M. Diomandé, le lieutenant-colonel Diomandé, a été nommé à la tête de la 3e Légion territoriale de gendarmerie. Au niveau de la 3e Légion de gendarmerie mobile, a été nommé le lieutenant Kwaku Kofi Serge. Voici les mouvements qu'il y a eu au niveau de l'armée et de la gendarmerie à Boaké. Dans les directions régionales, le directeur régional des sports a été affecté à d'autres missions et a été remplacé. La directrice départementale des sports de Sakassou a été mutée à Boaké et la directrice départementale des sports de Boaké a été mutée à Sakassou. Oui. Voici les informations que je voudrais donner ce matin. Au niveau des remerciements, je voudrais d'abord remercier le chef d'antenne pour cette belle organisation, pour cette haute mobilisation. Le salut aux couleurs n'est pas une cérémonie banale. C'est l'occasion de démontrer son civisme et son sens du patriotisme. Il est vraiment dommage que nous voyons, par ces temps qui courent, s'effriter des valeurs civiques, le non-respect des lois et le non-respect des déontologies. Je voudrais donc le féliciter pour avoir mobilisé tous ses élèves. À l'attention de ses élèves, je voudrais indiquer qu'il est bon d'avoir un esprit civique. Il est bon de respecter le code de déontologie qui régit l'activité que vous avez choisie. C'est vrai, pour avoir du travail, c'est difficile. On passe tous les concours et on est admis par hasard. Mais une fois qu'on a eu le concours, il faut lire le code de déontologie qui régit nos métiers. Vous avez en charge un matériel difficile, c'est-à-dire l'homme, où il ne faut pas faire d'erreur. Je vous exhorte.
esprit civique. D'ailleurs, je voudrais dire au chef d'antenne que tous les lundis matins, je serai présent à l'INPAS pour le salut aux couleurs, pour comprendre et voir que le salut de couleurs ce matin n'est pas un effet de mode. Parce que nous avons constaté qu'après le premier lundi, partout où nous sommes passés, il n'y a plus de salut aux couleurs. Alors que nous passons dans les établissements pour donner le ton, pour qu'après notre départ, le salut aux couleurs soit pérennisé. Donc je vous le dis, pour le mois d'avril, tous les lundis matin, je serai ici. Deuxième remerciement. Je voudrais, au nom de monsieur le préfet de région ici présent, adresser ses sincères remerciements à tous ceux qui lui ont apporté un soutien moral, matériel, spirituel lors des obsèques. Explicatif. Toute l'administration. Pas à ceux qui ont apporté simplement soutien. Je voudrais, il a rectifié, vous avez entendu. Ce n'est pas facile de représenter le représentant qui est lui-même présent. J'ai été tout de suite rappelé à l'ordre. Monsieur le préfet ne voudrait pas que je vous qualifie de tous. Il voudrait que je précise. Toutes les administrations, administration militaire comme administration civile, tous les fonctionnaires, que ce soit leur titre et leur grade, qui leur ont apporté un soutien indéniable, un soutien moral, spirituel. Il prie le Seigneur qu'il vous le rende en bénédiction et en grâce. C'est sur ces notes de remerciement que vont prendre fin ces différentes allocutions. Cependant, les agents de santé ne pouvaient se retirer sans toutefois crier leur slogan aux oreilles de tous.